Le temps d'une journée, la ville des Mureaux propose aux habitants de participer à une édition inédite des Jeux Mureaux Olympiques 2016. Ce qui définit un parc, nous on a coutume de le dire, un parc c'est quelque chose d'ouvert sur la ville. L'enjeu de la journée, c'est de pouvoir proposer aux gens des manières ludiques de réfléchir et de s'exprimer sur leurs envies, leurs besoins en termes de jeu et de sport. Voilà. T'as envie d'essayer de faire les épreuves? Oui. Ah ah, faut trouver une équipe de 4 alors. Oui. Tu vas chercher 3 potes et puis vous vous inscrivez. D'accord. Allez, c'est parti. En fait, les parcours, il est pensé pour faire découvrir aux participants les périmètres du futur parc Molière et aussi des lieux de la ville qui nous avons trouvé un peu insolites et qu'on voudrait faire redécouvrir aux habitants des Mureaux. On vous a dit que ce parc Molière, il était grand, effectivement, ça part de la médiathèque, ça va jusqu'au parc de Sautour, et du coup, vous avez quand même 2h30 de traversée de la ville à faire. À 3 épreuves d'imagination. C'est les plus importants pour nous d'ouvrir le frigo parce que c'est là qu'on va questionner les habitants, les participants sur leurs idées, leurs envies pour les équipements sportifs et ludiques du parc. C'est vraiment imaginer ensemble comment on se retrouve, par groupe, par famille, qu'est-ce qu'on fait comme activité. C'est assez incroyable parce que les habitants, bah, comme toujours, ils ont une imagination phénoménale. Et on essaie de stimuler la créativité des habitants. Mais en tout cas, il y a de l'imagination aussi. Et c'est super agréable aussi de s'y mettre à plusieurs. Ce parc constitue un vrai lien et on est vraiment dans un espace public généreux, ouais. qui vient relier des endroits qui étaient séparés, qui vient créer une sorte d'identité aussi commune à partager. C'est le parc qui doit permettre de valoriser la ville des Mureaux à travers des animations qu'on pourra y mener. Il faut que l'on trouve quelque chose pour le rendre attractif, qui rayonne sur le territoire, au-delà même de la ville. Est-ce que vous avez des idées pour ce parc Molière à venir? Bah, peut-être ils peuvent faire un zoo ici, parce que moi j'adore les animaux. Du ping-pong. La tyrolienne. Où on peut grimper, on peut glisser. On peut courir, des balançoires, des toboggans, des grands toboggans, pas des tout petits. Can't seem to get enough.